Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo que je n'avais pas spécialement prévue, mais je me suis dit que ça pouvait être quand même important de la faire avec toi et en parler un petit peu justement de ça. On va donc parler, comme tu auras vu dans le titre, je pense, de l'augmentation des prix des éditions Mangetsu. On va d'abord regarder ensemble, hein, tout simplement. Hop, je suis obligée de mettre en avion. Donc pour le manga Aowashi, le manga de foot, il passe de 6,90€ à 7,20€, plus 30 centimes. Golden Guys, que j'ai lu et donc j'ai critiqué le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, il passe de 7,95€ à 8,20€. Et donc ça fait plus 25 centimes. Tout va bien. Celui qui m'emmerde le plus, parlons cash, hein, très clairement, tu as l'habitude avec moi, mais 7,95 à 8,95, donc soit plus 1€. Voilà pourquoi je fais cette vidéo en fait. Pour les enfants d'Hippocrate et Paca. Donc si tu as vu ma vidéo calendrier l'avant, tu sais que j'ai eu donc le tome 1 de Paca. Même si c'est une série terminée en très peu de tomes, plus 1€. Ça fait très clairement mal au cul. Alors, je vais juste dire un truc, histoire que ça soit vraiment, c'est dit, version humour. 40 centimes, tu as un mini cannelé. 50 centimes, tu as la version moyenne. Et 70 centimes, tu as un gros cannelé. Voilà, c'est juste la blague parce que j'ai pas trop de références sinon de prix, de différence comme ça. Mais 1€ en plus, 1€ quand même. Je sais pas si on se rend compte, juste rien à voir, mais donc tu le sais peut-être, si tu ne sais pas je te le dis, je fais donc des toiles de manga. La colle, la première fois que je l'ai achetée c'était la semaine, du coup c'était le 14, vendredi en tout cas, un truc comme ça, après la convention de Bordeaux, donc de octobre du 8-9, donc le vendredi d'après je vais sur Bordeaux, et je m'achète un bidon de colle, enfin un petit pot de colle pour mes tableaux. Et je prends en photo le prix de la colle en bidon de 1 litre. Sachant que je vois déjà qu'il y a une différence de prix. Et que c'est vachement plus intéressant en fait d'acheter le bidon de 1 litre. Parce que tout simplement sinon en achetant les petits pots tu perds la valeur d'un pot. Le nombre, parce que c'est des 250 ml. Donc si je prenais plusieurs pots de 250 ml face au bidon de 1 litre. Ben, il me faut un pot en plus par rapport au prix. Bref, les calculs. Et là-dessus, je prends donc juste le petit pot parce que je me dis, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si je vais y arriver, blablabla, blablabla. Donc tout début décembre, je retourne à la même boutique, prendre la même marque, le même pot de colle. Et je prends le bidon cette fois-ci de 1 litre. Il est passé de 24,50€ à 27,50€. Ça fait mal. Mais voilà. Là, se prendre une douille de 1€ pour un manga, il n'y a pas plus de pages. On va pas avoir non plus de pages en couleur, hein, histoire d'équilibrer la chose. On va rien avoir en plus. On va juste se prendre une douille. Hein. Moi, pour moi, j'ai presque l'impression de me taper une amende, très clairement, de du coup 1€. Pour Paca et donc les enfants d'Hippocrate que je t'ai présenté. Je t'ai présenté les deux premiers tomes. Alors moi j'ai eu la chance avec le calendrier de l'Avent. Déjà j'avais acheté le tome 3 en occasion moi-même. Et avec le calendrier de l'Avent et de l'après j'ai eu les tomes 4 et 5. Le tome 6 est sorti mais c'est tout pour l'instant. Moi je filme parce qu'on est le 23 décembre. Mais honnêtement Paca, ben, j'ai le tome 1 donc si ça passe, si j'aime, je finirai la série. Les enfants d'Hippocrate, très clairement, là, je suis en doute. Et on en parlera juste après à la fin, mais voilà, c'est à cause de ça que je fais la vidéo. Et puis parce que ça m'énervait aussi l'os de prix, je voulais aussi t'en parler. Donc le manga Keiji, 8,95 à 9,95, encore une amende de 1€. Oui, je vais appeler ça des amendes à force. Hein. Shoto no Ken, 9,95 à 12,90. Bon, après, Sensor, Zone Phantom, voilà. De toute façon, tu vois les prix, hein, très
clairement. Après, les chefs-d'œuvre et Tomie, je t'explique pas la douille qu'on se prend. Hein, très clairement, autant montrer son trou. Je vais rester poli, hein, je vais m'arrêter là parce que sinon. Donc, en ce qui concerne ma chaîne, les titres que je lis, etc., qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Donc, déjà, moi j'ai le manga Butterfly, j'ai la saison 1, mais je ne possède pas la saison 2. Je te mets le nombre de tomes pour la saison 2 parce que la saison 1, je sais qu'elle est en 2 tomes. Apparemment, il n'y aurait pas d'augmentation pour ce titre. Ma foi, c'est toujours bénef. Pour ce qui est de Awashi, donc comme moi je te l'ai déjà dit, j'ai arrêté la série parce que je vais me faire l'animé. Voilà, tout simplement, par choix, et puis parce que la série est trop longue. Et sinon, Awashi est disponible à ma bibliothèque à Bordeaux. Donc, s'il faut vraiment le lire en format papier, je le lirai à la bibliothèque. Pour ce qui est après de Shiruran, n'a pas augmenté de prix, encore heureux, parce que vu le nombre de tomes, sinon je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient abandonné en cours de route, et moi le premier. Pour ce qui est de l'enfant d'Hippocrate, donc moi je me prends la purge du coup de 1 euro. La série est toujours en cours et on ne sait pas du tout en combien de tomes la série va être. Et il y a donc la fameuse série PACA où c'est une série assez courte mais quand même. Ben honnêtement j'ai envie de discuter avec toi et de voir avec toi ce qu'on fait. Actuellement je t'avoue aussi qu'on est le 23 décembre et j'ai envoyé un mail de demande de collab avec Mangetsu. Pour essayer de gruger en fait ce problème d'augmentation de prix et aussi parce que ben tout simplement en soi j'ai bien aimé ce qu'ils ont sorti pour l'instant. Il y a des titres que j'ai bien aimé, voilà. Chez Roland je l'ai lu, j'ai adoré. Les enfants d'Hippocrate aussi. Butterfly m'intéressait énormément. J'ai acheté les deux premiers tomes pensant que c'était en 2 tomes et après on s'est pris la petite blague. Eh ben non, en fait il y a une saison 2. PACA, je n'ai pas encore commencé, mais voilà, il m'intéresse. Et dans les séries qui sont sorties aussi entre-temps que je n'ai pas suivi forcément, parce que tu connais un petit peu mon mode de consommation, il est un peu différent des autres youtubeurs et influenceurs et autres gens tout court. Donc, bah, je me suis pas forcément intéressée. Mais la douille de 1 euro me fait grandement réfléchir. Donc, soit. Un, je suis en collab avec Mangetsu et donc il m'envoie la suite des volumes, les volumes au fur et à mesure là par exemple des Enfants d'Hippocrate et je continue de te le présenter. Soit, bon là, je vais lire les volumes que j'ai là 3, 4 et 5 et je t'en ferai une vidéo. Pas tout de suite, hein, très clairement, je pense que ce sera plus pour avril ou un truc comme ça. Mais voilà. Ou soit, bah, après le tome 5, j'arrête. Voilà. Ça permet. Alors, dans un sens, pourquoi? Un, je ne mettrai plus en avant le manga. Deux, je ne mettrai donc plus en avant la maison d'édition. Car je suis désolée, mais je ne suis pas du tout d'accord avec une augmentation de 1 euro. Il y a eu des titres, par exemple, Ototo, j'ai. Bon, les titres sont un peu plus hauts. Mais Ototo, j'ai quand même. Et Taifu et tout ça, j'ai arrêté de consommer. Là, j'ai dit dans ma précédente vidéo, je te la remets là au cas où. J'ai arrêté de consommer Ototo et Taifu à part en occasion parce que justement leur prix était devenu trop cher pour moi. La Mangetsu, je vais trop regarder le prix que ça fait. Ça fait du 8,95 € le bouquin. Ça commence à faire cher. Moi, à partir de 8,50, déjà, ça commence à me faire mal au cul. L'année 2023, je voulais déjà plus ou moins évoqué plus d'une fois, j'aurais que 100 euros par mois pour les mangas, plus la bibliothèque, plus les potes éventuellement. J'ai pas envie de faire chier non plus mes potes toutes les 5 minutes pour avoir un titre à droite, un titre à gauche. Il y a la bibliothèque, hein, doucement, il y a la bibliothèque. Mais, dans un sens, en fait, mon paquet, je suis coincée. Voilà, j'ai eu le tome 1, je suis coincée, sinon je l'aurais pas acheté. Très clairement. Mais je suis dans ce truc-là de me dire, est-ce que. Alors moi, en fait, ça me fait rien d'arrêter les enfants d'Hippocrate au tome 5. Je me dirais, bah tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, c'est un peu. Je me dirais juste, en fait, j'essaierais juste de me dire mentalement, bah, c'est comme si c'était un manga qui avait été stoppé au niveau commercialisation et t'arrives pas à choper la suite. Donc soit je te présente l'enfant d'Hippocrate par exemple, parce que là c'est vraiment l'exemple de la série qui est toujours en cours et que je suis coincée. Soit j'arrête la série, soit je te le présente que. Au fur et à mesure, quand je chope une occasion, soit je suis en collab avec Mangetsu et donc je dois continuer de le présenter parce que du coup je le paye plus. Mais moi, ce qui me fait
entre parenthèses, moot dans le cas de continuer la série, c'est que je mets en avant cette maison d'édition qui a eu un comportement, je trouve, alors je vais pas dire déplacé, mais tu vois ce que je sous-entends. Moi, personnellement, le voir une augmentation de plus de 1 euro sur un volume, je trouve ça du foutage de gueule. Et surtout qu'en fait, Mangetsu, qui sous-entend très régulièrement, pour avoir vu leurs vidéos et avoir été présent à un événement où ils y étaient, je suis désolée, hein, si Mangetsu, vous voyez cette vidéo et donc du coup, vous pouvez plus me blairer, il n'y a pas de souci, je comprendrai. Mais où, là où Mangetsu essaye de jouer du « on est une toute petite maison d'édition, ils appartiennent à un grand groupe ». J'en ai discuté avec quelqu'un d'autre qui est vraiment dans le milieu des éditions, qui m'a dit « mais non, ils sont dans un grand groupe ». Et j'ai un ami du nom de Ellie, donc je vous ai déjà parlé plus d'une fois sur la chaîne, qui est un influenceur manga sur Instagram, qui fait des études dans l'univers du manga, et qui lui aussi, en story, a bien dit que Mangetsu appartenait à un gros groupe. Donc, nous faire une augmentation de 1 euro en mode « Ouin, ouin, on est une petite maison d'édition, on n'a pas le choix, ouin, ouin !» Ben non. Vous avez le choix. Et je trouve ça dommage, très clairement. Et donc, voilà, moi je suis mitigée, je ne sais pas ce que je dois faire, et c'est à, là vraiment, c'est à vous de prendre le contrôle et donc de mettre votre avis en commentaire. Est-ce qu'on continue? Alors, en admettant que je ne sois pas en collab avec Mangetsu, parce que vu cette vidéo, je pense qu'ils ne voudront jamais être en collab avec moi, mais en admettant que je ne sois pas... Alors, est-ce que j'accepte la collab ou pas, du coup, si eux, ils me disent, ok, est-ce que finalement j'accepte cette collab ou est-ce que je leur tourne le dos? Est-ce que je continue de présenter le manga à chaque fois que je chope des volumes en occasion, quitte à ce que ça soit une fois par an? Voilà, dites-moi vraiment, je pense que re-regardez la vidéo, hein, parce que là ça me saoule un peu de me répéter, j'ai le nez qui coule parce qu'il fait trop froid dans cette pièce, je rappelle au cas où il fait 15 là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Là, c'est vraiment porte ouverte à la vie et à l'expression. Tant que vous restez correcte à mon égard, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez de Mangetsu. Moi, actuellement, là maintenant tout de suite, je ne bosse pas pour eux. Je ne suis pas payée par eux. Donc vous pouvez aussi vous lâcher. Voilà. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser quand même la parole en commentaire. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre tout simplement trois commentaires des trois options qu'on a, ou les quatre, je sais plus, je suis perdue moi-même. Et tu n'auras plus qu'à liker le commentaire, même si tu réponds aussi avec un message et tu donnes ton avis en commentaire, like quand même. Comme ça, moi, je vois les stats, je vois qui a voté quoi, pour avoir un retour et savoir vraiment ce qu'on fait. Parce que très clairement, moi, ça me fait un peu chier quand même de mettre en avant une maison d'édition qui se fout autant de notre gueule dès le départ, quoi. Ma tête de panda pour t'abonner à mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch, ma précédente vidéo Mangetsu et la playlist. Et donc dans la barre d'infos, tu retrouveras la précédente vidéo sur l'augmentation des prix et quelles ont été et sont les conséquences du coup pour la chaîne à partir de 2023. Sur ce, à bientôt.